Traiter une migraine est un peu une course contre la montre. La migraine est une inflammation dans le cerveau. C'est un peu un incendie neurologique. Plus vous attendez, plus l'inflammation est difficile à contrôler. Observez l'évolution de vos crises. Les crises de migraine varient d'une personne à l'autre. Apprenez à identifier les premiers symptômes de votre crise. L'objectif, traiter avant que la douleur soit modérée et avant que les symptômes comme la nausée ou la photophobie soient installés. Si vous attendez avant de traiter, demandez-vous quelles sont vos raisons. Il y a plusieurs raisons d'attendre avant de traiter une crise de migraine. Je n'ai pas mes médications avec moi. Une fois que vous avez trouvé un traitement efficace, ayez-en un avec vous. Gardez un kit anti-migraine dans votre sac, votre voiture et au bureau. N'attendez pas la dernière minute pour renouveler vos prescriptions. Gardez une bouteille d'eau pour vous hydrater et prendre vos médicaments au besoin. Je n'étais pas certain que c'était une migraine. J'ai commencé par deux Tylenol. La plupart des migraines commencent par un petit mal de tête ou une tension dans le cou. La plupart des migraineux espèrent que ce petit mal n'évoluera pas vers une migraine. Mais souvent, la migraine arrivera. Ne perdez pas de temps. Utilisez vos traitements dès le début. L'étape Tylenol est souvent un délai inutile. J'ai des effets secondaires avec ma médication. Si votre médication vous donne des effets secondaires, il est normal que vous n'ayez pas trop envie de le prendre. Discutez avec votre médecin pour trouver une option mieux tolérée ou ajuster la dose. Les médicaments coûtent cher et je veux éviter de les gaspiller. Effectivement, certains médicaments sont coûteux. Ceci dit, une journée de travail perdue coûte encore plus cher. Si vous utilisez un traitement, utilisez-le comme il faut pour ne pas le gaspiller. Renseignez-vous sur les formes génériques. Discutez avec votre médecin d'une médication moins coûteuse. J'ai peur de développer une céphalée médicamenteuse. C'est une très bonne raison. Si vous devez traiter des migraines 8 à 10 jours par mois, il y a un risque de céphalée médicamenteuse. Sachez tout de même qu'une crise bien traitée de 1 jour est mieux qu'une crise mal contrôlée de 3 jours. Utilisez un calendrier pour observer la situation. Discutez d'un traitement préventif avec votre médecin. Je traite aussi rapidement que possible, mais mes crises sont fortes, je n'arrive pas à les contrôler. Certaines crises de migraine sont difficiles à contrôler. Si vos crises sont fortes ou surviennent durant la nuit, il faut trouver des options puissantes et rapides pour les traiter. Discutez de vos options avec votre médecin. Voyez notre vidéo sur les crises violentes. Conclusion. Pour contrôler une crise de migraine, il faut traiter avec le bon médicament au bon moment. Il y a plusieurs raisons de retarder le traitement. Mais plus vous attendez, moins vos chances de succès sont bonnes. Plus vous en savez sur les migraines, plus vous êtes équipé pour les contrôler.